Me revoilà. Mais du coup, ça a lancé une autre vidéo, je pense. Bah ouais, je vois 0,15, 0,16. Pas cool. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, une coupure. Ouais. Il faudra voir quand même pour essayer de, pour la prochaine fois, savoir comment rétablir. Bah c'est peut-être la box, non? Toi, t'as pas eu de coupure, Marc? Pas plus que ça, non? Je sais pas, je suis désolée les amis, on a dû relancer un nouveau live parce que l'autre il a coupé. Je ne vois plus vos commentaires, du coup tout a disparu parce que c'est une nouvelle vidéo. C'est très triste. Chat en direct, on est de retour sur un nouveau live. Yes. Rebienvenue. Je pense qu'on a perdu des gens en cours de route, j'espère qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un nouveau live. Sous l'autre, du coup, il a été arrêté. En fait, c'était bizarre parce que les commentaires continuaient, mais il n'y avait plus de vidéo. Bah, les commentaires, c'est pas un souci, c'est que toi, tu. Il n'y a plus de diffusion. Ouais, mais d'habitude, quand la diffusion s'arrête, bah, du coup, les commentaires s'arrêtent aussi. Enfin, ils peuvent plus. Bah, pas dans le chat. Ils peuvent Si, commenter si. la vidéo, mais. Ah bon? Ah, je savais pas. Rebienvenue à vous. Désolée pour cette interruption indépendante de notre volonté. Mais. Ah, Tominou est venu vous indiquer. Oh, c'est bien, Tominou. Tellement prévoyant. Ok, on va pouvoir repartir du coup. Alors, bon, ma zone que j'étais en train de peindre a séché. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. On va faire avec. Alors. Je sais ce que je vais faire. Donc, je vais reprendre. Alors, c'était ça, de l'ombre brûlée. Et je vais y mettre un peu de bleu, un d'entraîne. Si vous voulez une couleur vraiment foncée, ombre brûlée, un d'entraîne, ça fonctionne très bien. Et là, je vais faire la petite ombre des plus-plumes. Du coup, si jamais vous aviez posé des questions et qu'on n'a pas répondu dans le précédent live, eh bien, on ne pourra pas répondre parce qu'on ne les a pas vues. Donc, n'hésitez pas à réécrire ce que vous aviez écrit. Alors, je vais pouvoir commencer les ailes qui sont hyper belles, parce qu'en fait, chaque plume est bordée d'un tout petit liseré blanc. Très 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 fin. Et sur le coup, je m'étais dit, oh bah je vais tout masquer au drawing gum et puis je vais faire une mosaïque de plumes. Puis après, je me suis dit, non, Cindy, tu t'étais dit que tu ferais quelque chose de très simple et illustratif. Le drawing gum très minutieux n'est pas compatible avec ça. Donc, on va changer de plan et on va faire du coup tout simplement des taches brunes qui matérialiseront les ailes. Voilà. Donc, c'est une couleur très très foncée. Alors là, je fais outre-mer plus ombre brûlée, en gros. Mes trois bruns très foncés, enfin mes trois gris bruns, c'est terre de sienne brûlée plus outre-mer, ça me fait un gris. Si je mets plus de terre brûlée, du coup, ça me fait un brun. Si je veux plus foncé, je fais outre-mer plus ombre brûlée. Si je fais encore plus foncé, je fais ombre brûlée plus un d'entraîne. Et là, c'est noir. Voilà. La gradation de mes bruns, vous savez tout. Du coup, alors. Faudra que tu vois pour faire une vidéo à partir des deux lives. Bah, je ne vais pas pouvoir réunir les deux vidéos en un seul live. Il y aura une partie 1 et une partie 2, je pense. Arrives-tu toujours à faire les détails parfaitement, que ce soit sur tes peintures ou tes pastels?
On me demande si j'arrive toujours à faire les détails parfaitement. Alors, je pense que la perfection n'est pas vraiment ce qui me caractérise. Donc, je dirais que non. Mais je fais de mon mieux. On en est tous là, je crois. Je suis désolée, je ne peux pas regarder le chat parce que là, je dois me dépêcher. Mais pour l'instant, c'est calme, du coup. On a quand même Très bien. Pas mal de... Ah, on a perdu des gens, du coup, il n'y a pas beaucoup de messages dans le chat. C'est très triste. Ok. Je pense que pour l'instant, on va laisser tel quel. Je vais passer à l'autre. Salut Émilie, bienvenue à toi. Alors, du coup, pour l'autre, je réfléchis à ma stratégie. Alors là, on a quelque chose de plus chaud. Donc, je vais utiliser du terre de sienne brûlée ou de l'ocre jaune. Un petit peu d'ocre jaune là-dedans. Comme ça. Alors, est-ce que tu emmènes beaucoup de pinceaux différents pour tes voyages? Alors, on me demande si j'emporte beaucoup de pinceaux différents avec moi lors de mes voyages. J'en emporte quelques-uns, ça va être les pinceaux de voyage Casaneo, j'en ai deux, et puis des pinceaux à réservoir d'eau, en général j'en ai deux aussi. J'essaie de voyager entre guillemets léger, c'est pas toujours facile, mais bon. Donc là, je fais la transition entre l'ombre et la lumière sur cette aile. Du coup, j'ai beaucoup plus dilué ma peinture. Et ici, on a la perspective qui fait qu'on ne distingue plus les plumes, on ne distingue plus que des lignes verticales très très fines. Donc je... ah. J'hésite à changer de pinceau. Je vais quand même garder celui-là. Es-tu déjà inspiré des aquarelles de Turner pour les effets de lumière? On me demande si je m'inspire, si je me suis déjà inspiré des aquarelles de Turner pour des effets de lumière.
J'aime beaucoup le travail de Turner. Après, je n'ai jamais cherché à réellement copier quelque chose que j'aurais pu voir. Je pense que je ne suis pas assez organisée pour ça. Je pense que j'ai trop tendance à foncer. C'est mon gros défaut. Je fonce, je ne prends pas assez le temps de réfléchir à ce que je fais. Après, je pense qu'on s'inspire involontairement des choses qu'on voit et vu que j'aime bien ces aquarelles, peut-être qu'il y a des choses que j'ai fait inconsciemment parce que je les avais vues dans ces aquarelles, c'est possible ça. Le papier qui refusait d'auréoler, quoi. Je lui ai rapporté de l'eau, mais en quantité, de l'eau claire en quantité, alors qu'il était en train de sécher. Il refuse de faire des auréoles. Alors, si vous avez des problèmes d'auréoles dans vos aquarelles, je vous recommande l'expression d'Anemul, parce que vraiment, il auréole pas facilement celui-là. Hein. Alors, on me demande de donner un cours pour peindre un arc-en-ciel. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais fait ça. Du coup, comme je n'ai jamais fait ça, je me demande si je suis la personne la mieux placée pour vous apprendre à le faire. Ah, salut à ceux qui nous rejoignent. Désolée si vous faites partie des gens qui étaient sur le premier live et que du coup, bah, vous étiez tout perdu après. Ne vous inquiétez pas, les deux vidéos seront en replay. Oui. Alors, on me demande pourquoi j'ai choisi le balbuzard pêcheur pour la couverture de mon carnet de voyage Corse. Eh bien, c'est parce que la Corse est connue pour avoir une très belle communauté de balbuzards pêcheurs qui y vit. Et comme c'est une espèce protégée, eh bien c'est génial qu'elle ait cette communauté d'oiseaux. Et comme en plus j'adore cet oiseau, eh bien du coup, je l'ai choisi. Je trouve qu'il est vraiment super joli et majestueux. Quand il est en vol, il y a des fois où ses ailes, elles font vraiment un angle droit. C'est incroyable. Il a une morphologie qui est très particulière. Penses-tu que reproduire un dessin ou une œuvre d'art, par exemple, c'est tricher? Alors, on me demande si je pense que la copie, c'est de la triche. La reproduction, ouais. La reproduction, c'est de la copie, hein. Non, je ne pense pas du tout que ce soit de la triche. En fait, la copie, ça a toujours été pratiqué de tout temps, hein. Tous ceux qui ont appris à peindre se sont inspirés d'autres artistes. On en a besoin pour comprendre le processus. Après, là où ça devient pas bien, c'est quand tu copies quelqu'un et que tu publies par exemple la réalisation sur les réseaux sociaux sans préciser que c'est une copie d'un autre artiste. Parce que quelque part, tu t'attribues un peu le mérite de l'invention de l'œuvre alors que ce n'est pas toi qui l'as inventé. Donc là, ça peut poser un problème qui est plus d'ordre éthique que technique. Mais en dehors de ça, non, je ne pense pas que la copie soit de la triche. La triche, bon, c'est un mot qui est utilisé, mais pour moi, tu triches quand tu respectes pas les règles du jeu et il n'y a pas vraiment de règles du jeu dans l'art, donc il n'y a pas vraiment de triche.
dans un sac poubelle pour des motifs artistiques. Tominou nous parle de l'Arc de Triomphe qui a été emballé dans un sac poubelle pour des motifs artistiques. Alors, je pense que là, c'est sec, donc je vais lui faire sa petite pupille. Comme ça, il aura l'air un peu plus vivant. Donc là, je prends de l'indentraine. Donc, vous voyez, l'indentraine, c'est ce bleu nuit, très, 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 très foncé. Mon préféré, c'est celui de Daniel Smith. Il est ultra foncé. Et là, je viens lui rajouter de l'ombre brûlée. Et j'obtiens ce noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Pardon. Alors, la pupille. Alors, j'hésite, bonjour, j'hésite entre le pinceau Raphaël Soft Aqua et le Da Vinci Casaneo. Avez-vous une préférence pour Oh oui, j'ai une préférence entre le Soft Aqua et le Casaneo. Oui, j'ai une très 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 nette préférence pour le Casaneo. J'ai eu le Soft Aqua. Et il n'est pas là, il est là-haut. J'ai eu un gros pinceau à la vie Soft Aqua et je n'en étais pas satisfaite. En gros, j'en ai été satisfaite pendant les 2-3 premiers tableaux que j'ai fait avec. Et après, il est devenu tout rond. Il n'avait plus du tout sa pointe fine. Et du coup, je me suis dit, je ne renouvellerai pas cet achat. Est-ce que tu as peur de te rater en direct? Est-ce que j'ai peur de me rater en direct? Je suis terrifiée à cette idée. Voilà, si vous voulez tout savoir. Je joue toute ma carrière de youtubeuse sur ce direct, alors j'ai intérêt à pas me rater. Voilà, je peux à nouveau respirer. C'était une zone un petit peu délicate. Bon, maintenant il y en a une autre, c'est la bouche. Est-ce qu'on peut parler de bouche? Je pense que oui. Est-ce que tu penses relever l'œil avec un jaune orangé un peu plus vif? Est-ce que je pense relever l'œil avec un jaune orangé un peu plus vif? Je ne pense pas. Je pense qu'il est déjà pas mal opaque. Donc je pense que si je rajoute de la couleur, ça risque de pas être très judicieux. Mais on va voir. Avez-vous des techniques pour les paysages ou les visages sur YouTube? Quelle technique? Je ne sais pas. On me demande si j'ai des techniques pour les paysages ou les visages sur YouTube. Si, oui, j'ai des vidéos à ce sujet. Donc, je t'invite à aller voir l'onglet playlist de ma chaîne YouTube et tu sélectionnes la technique de ton choix. Donc, je suppose que tu parlais d'aquarelle. Donc, tu as une playlist aquarelle et tu peux voir les différentes vidéos que j'ai faites à ce sujet. Tu as déjà peint en public. On me demande si j'ai déjà peint en public. Oui, j'ai fait deux démonstrations de pastel lors d'une exposition, ce qui était il y a 2 ans et il y a 3 ans. Tu as aussi peint en plein air. Je peins en plein air, oui. Il y a des passants qui peuvent s'arrêter pour discuter et regarder ce que je fais. Ça arrive aussi, mais disons que la démonstration officielle, c'est celle que j'avais faite au cours de cette exposition.
demi-nous. Pour l'instant, c'est calme. Tac. Donc là, je pratique beaucoup la touche adoucie, c'est-à-dire que je viens déposer ma peinture sur papier sec et ensuite je viens l'effacer dans le reste, enfin l'adoucir dans le reste avec un pinceau humide et propre. Est-ce que tu testes régulièrement du nouveau matériel, que ce soit des pinceaux ou de l'aquarelle, ou est-ce que tu restes fidèle à ce que tu as? On me demande si je teste régulièrement du nouveau matériel ou si je reste fidèle à celui que j'ai déjà. J'en teste régulièrement parce que je travaille beaucoup avec le Jean des Beaux-Arts et j'écris des articles pour eux. Donc ils m'envoient des choses à tester, du papier, des pinceaux, des peintures. Donc j'en teste souvent. Tu as déjà eu des sensations quand les gens te regardent peindre, que ce soit plaisir de partager ou peur du regard? Donc on me demande comment je me sens lorsque je suis observée, lorsque je suis observée en peignant. C'est une très très bonne question. Je pense que ça va beaucoup dépendre de mon état d'esprit au moment où je peins et surtout de l'avancée de mon tableau quand je peins. C'est vrai que je pense que c'est assez humain, mais quand on démarre un tableau, forcément les premières étapes ne sont pas très esthétiques et c'est vrai qu'on n'aime pas trop à ce moment-là qu'il y ait des gens qui viennent et qui regardent et on se dit bah ils doivent se dire que je suis nulle et donc ouais il y a un petit côté de l'ego hein, qui prend un peu le dessus mais de manière générale ça me dérange pas trop. C'est vrai que je préfère peindre seule, clairement je préfère quand je suis dans la nature et que personne ne vient voir ce que je fais. Mais ça reste quand même, la plupart du temps, ça reste quand même très bienveillant et c'est des personnes agréables. Alors, on a Gilles qui nous dit qu'il a fait un stage avec Franck Rollier et qui te demande si tu le connais. Alors, on me demande si je connais Franck Rollier. Je ne connais pas, désolée. T'as ta manche et ton bras gauche qui passent juste au-dessus de la palette. Oui. Et que ça fait peur. Oui, c'est vrai, ça fait peur. Ça m'est déjà arrivé de peindre avec la manche. De peindre avec la manche, ouais, ça m'arrive assez souvent. D'habitude, je la mets de l'autre côté, mais là, pour la façon dont j'ai organisé mon plan de travail, c'était mieux de l'avoir à gauche. Je sais plus ce que je voulais faire, du coup, j'ai pris de l'ocre. J'étais en train de peindre quoi? Ça m'a perturbée. Ah oui, j'étais là-haut. Je reprends Monsieur Jupette. Je reprends Monsieur Jupette? Non, je vais reprendre le pinceau à la vie. Et je vais recommencer mes petites plumes. Donc là, j'ai de l'ocre jaune très dilué. Vous voyez, il est très transparent, donc il a un rendu très lumineux pour symboliser les plumes qui sont vraiment au soleil, donc qui sont dans ce petit rayon lumineux. Celles-ci, elles ont la même peinture, mais plus concentrée, et elles ont été posées sur une sous-couche foncée, donc elles ont un rendu naturellement plus foncé. Mais je viens exacerber ça avec un petit peu d'ombre brûlée. Alors, on te demande si
Alors, j'utilise un morceau de papier absorbant qui ne me sert pas lors des changements de couleur, mais qui me sert à essorer mon pinceau lorsqu'il est trop chargé de liquide. Il est hors caméra, mais il est à côté de moi. Que tu voulais pas aussi nous parler de la fabrication de ta couverture ou de ton carnet? C'est quelqu'un qui pose la question ou c'est toi? Non. C'est Tominou qui me fait remarquer que j'aurais pu vous parler un peu plus de la fabrication du carnet pour les personnes qui ne connaîtraient pas ma façon de faire. Donc il y a plusieurs vidéos à ce sujet si ça vous intéresse. Donc je le redis pour les personnes qui n'étaient pas avec nous au début du direct, mais je fabrique moi-même mes carnets de voyage. Donc là, je suis en train de peindre l'aquarelle qui me servira de couverture. Je vais coller cette aquarelle sur un morceau de carton et ça fera du coup la couverture de mon carnet. Du coup, si jamais le processus vous intéresse, il y a une vidéo à ce sujet. Tomino peut donner le lien dans le chat. Et il y a aussi une vidéo pour la confection du carnet, c'est-à-dire pour la couture des pages. Et on te demande également si parfois des gens te reconnaissent et te demandent un autographe. Non, on m'a jamais demandé d'autographe. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Quand je serai une star, je vous le dirai. On m'a demandé un autographe. Oh Oh, this is Cindy Barilla. mon Dieu. Je rajoute juste quelques petites lignes pour donner des petits effets de plume. Bien, alors je vais renforcer quelques ombres. Ah oui, c'est vrai que là-haut, il y avait des petites plumes plus foncées que je n'ai pas faites.
Sinon, je voulais vous dire que pour ce carnet de voyage, j'avais très, 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 très envie de travailler beaucoup par mélange d'encre et d'aquarelle parce que j'avais fait ça pour mon carnet à Corfou. J'avais fait sur pas mal de croquis et j'avais adoré. Et après, j'avais eu envie de faire plus des aquarelles sans encre. Et là, j'ai à nouveau envie de faire un mélange. Donc, je vais emporter mes stylos plumes. Et puis, je pense que je vais faire des contours ancrés qui donnent un côté un peu BD. Et j'aime beaucoup ça dans les carnets de voyage. Moi qui voulais des auréoles, je n'aurais pas réussi à en avoir une seule. C'est fou quand même. Avec quoi vas-tu protéger ta couverture de carnet? Avec un vernis? Attends. Alors, on me demande avec quoi je vais protéger la couverture de mon carnet. Et il est vrai que habituellement j'utilise un vernis. Mais pour ce carnet-là, j'ai trouvé des feuilles autocollantes transparentes. Donc, je vais tester cette méthode-là. Et je vous dirai si c'est bien ou pas. Parce que le vernis, c'était bien, mais comme je le disais au début du direct, en fait, le mien avait tendance à flouter les couleurs parce qu'il réactivait un petit peu l'aquarelle quand je le passais dessus. Donc, pour essayer autre chose, pour essayer d'avoir un rendu un peu plus net, j'avais envie d'essayer ça. Alors, je sais qu'il existe des vernis à base de cire, mais j'en ai pas trouvé. Redonner le nom du papier et du coup le grammage aussi que tu utilises pour ce dessin. Donc le papier c'est Anemul Expression et c'est 300 grammes par mètre carré. Donc là je viens de retirer de la peinture sur une zone que je voulais plus lumineuse. Je dois avoir un scalpel quelque part. Je reviens. Ah oui? je vais pas très loin. Je suis juste là, ne vous inquiétez pas. Me revoilà. Je suis allée chercher un petit cutter pour retrouver le petit reflet blanc là. Par contre, il doit être plein de pastels, alors je vais déjà l'essuyer. Hop. Ouais, le scalpel, c'est mieux que le cutter pour l'aquarelle, mais je sais pas ce que j'ai fait du mien. Il y a trop de choses dans cet atelier. Que penses-tu des peintures trompe-l'œil ? On me demande ce que je pense des peintures trompe-l'œil. Je trouve ça très fascinant. J'admire beaucoup les artistes qui réussissent à en faire. C'est vrai que c'est très sympa. Quand tu vois des beaux trompe-l'œil même dans les villes. Ouais. C'est quand même.
coup, est-ce que tu pars pour un glacis pour le fond? Ah oui. Ouais, on me demande si je pars pour un glacis pour le fond. En fait, tu sais quoi? Je pense que non, parce que je vais replier ma feuille en fait à ce niveau-là. Et en fait, c'est cette partie-là que j'aime pas trop trop. Donc en fait, ça va faire ça, ça et ça. Et ça me paraît pas mal. En fait, j'aime bien le fait qu'il y ait des petites zones blanches parce que du coup, ça apporte de la lumière. Et s'il n'y en a plus du tout, je pense que j'aimerais moins. Ça fera un peu plus terne. Je pense que je vais laisser tel quel. En fait, j'avoue que je pensais qu'en séchant, il sécherait de façon plus claire. Mais je connaissais mal en fait cette peinture, je ne l'ai pas encore trop utilisée. Bon, je vais juste ombrer un peu le dessous du bec. Oh, il est déjà 18h, dis donc. Les effets de texture et poils, on rajoute de l'encre. On rajoute dans l'encre un médium. Je sais pas d'où ça sort. C'est une question, mais je Ah. pense qu'il y a un. C'est Gilles qui te demande si tu connais, et le commentaire c'est l'encre, on le fait pour les effets de texture et de poils, on rajoute dans l'encre un médium. Non. C'était en référence à quelque chose que tu disais avant, mais j'ai pas suivi. On me demande si je connais le fait de rajouter un médium. Attends, c'est quoi le truc? Rajouter dans l'encre un médium, ouais. De rajouter dans l'encre un médium, non, Ça peut être des effets de texture. Ah! Non, alors dans l'encre, non, ça je connais pas. Dans l'aquarelle, oui, par contre. Je pense que je vais glacer cette aile pour qu'elle soit un peu plus foncée. Oui, tu peux aller chercher la Ben & Jerry's dans le congélateur. C'est vrai, ça. Je suis pas censée. C'est interdit. C'est interdit par YouTube de citer des marques. Bon, en même temps, je pense que j'en ai cité quelques-unes sur ma chaîne. Que penserais-tu d'un fond avec quelques reflets gris verdâtre foncés? Ou mettre en valeur des couleurs plus foncées dans le fond apporterait de la lumière? Bah j'aime bien en fait sur le modèle le balbuzard est sur un fond très très clair et je trouve ça très joli. Et des connaisseurs de Ben & Jerry, puisqu'on cite la cookie d'or. Ah, elle est trop bonne celle-là. Pas trop perturbé le chat, il s'est rendormi de toutes ses forces. On m'informe que le chat s'est rendormi. Eh ben, je pense que je vais bientôt pouvoir m'arrêter, hein. Après, je veux pas que ce soit surtravaillé.
de compliments. Ah, mais faut me le dire, parce que moi, j'étais en train de me dire, mon Dieu, mais ils aiment pas, en fait. Je te le dis. Ah, merci beaucoup. Tout le monde, j'ai eu beaucoup de compliments. C'est vrai, j'ai eu des compliments, mais toi, tu m'as rien dit. Et moi, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est terrible. Depuis, je peins et personne n'aime ce que je fais. Ah, bah non, mais ça me rassure beaucoup. Si tu peux lire tout le chat, Ah, merci, merci, merci. Pff, en fait, je ne vous le disais pas, mais je me décomposais. Faudra qu'elle aille faire un petit tour sur le chat après. Ah, bah oui, il va falloir là. Voilà, là, vous voyez, j'ai repris une couleur plus foncée pour faire le milieu des plumes. Et toi, Tomino, est-ce que tu aimes bien ce que je fais? Moi, j'aime beaucoup. Bon, eh ben, on se retrouve très bientôt pour cette aquarelle posée sur mon nouveau carnet de croquis. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez le voir. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'on part du coup le 2 septembre. Et donc, à partir du 2, vous pourrez suivre nos aventures en Corse sur Instagram, dans mes stories. À chaque fois qu'on part en voyage, je poste toujours des stories au jour le jour de tout ce qu'on découvre. Je poste aussi mes croquis. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça si ça vous intéresse. Un merci aussi tout spécial aux personnes qui avaient répondu dans les stories Instagram justement lorsque je disais qu'on allait partir et que bah, je vous demandais si vous connaissiez des destinations intéressantes à nous recommander. Vous êtes super nombreux à nous avoir envoyé plein d'infos et ça nous a beaucoup aidé à faire notre itinéraire. Un merci tout spécial à Tomino qui a géré cet itinéraire. C'est lui qui s'est occupé de tout organiser. Moi, je suis dans ma formation pastel, donc j'avais pas trop le temps. Et bravo à toi, mon Tomino. On va passer des vacances très, très riches, je pense, en aventure. Donc voilà. Et ben merci à tous pour votre présence, pour ce direct. Ça nous a fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, il y aura quand même une autre vidéo avant notre départ. Ce sera jeudi prochain. Ce sera un pastel que j'ai peint en plein air. C'est des sols pleureurs devant un étang. Donc la démonstration sera mise en ligne jeudi prochain à 16h30. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, du coup, bah oui, on se dit à dans une semaine. Et merci encore d'être passé nous voir. À bientôt !